de la vie, pas de mère, paternité, famille. Bonjour, monsieur Rivenier. Bonjour, camarade. Est-ce que vous pouvez me donner le motif de votre visite ici chez nous ce matin? Nous sommes venus d'abord pour les civilités auprès du PDG de la SNCC. La première raison, vous savez que nous nous sommes desservis, la province du Yolomani est desservie par la SNCC pour faciliter la circulation des personnes et des biens. C'est ainsi qu'il a été question de nous demander de nous sensibiliser pour que nous puissions contribuer à la protection du matériel SNCC, notamment la ligne caténaire qui balaye la province à partir de Mukulakulu jusqu'à Kamina, mais cette ligne va de Tenke jusqu'à Kamina. C'était ça la première préoccupation. La deuxième, c'était des services que nous sommes venus solliciter pour une partie de mitraille comme les châssis des wagons qui peuvent nous aider à l'entretien des petits ponts. Vous savez que sur les routes actuellement, il y a des camions de 80 tonnes, de 60 tonnes qui sont en train de détruire tous les petits ponts qui étaient préparés pour supporter un tonnage de 30 tonnes. Mais maintenant, avec 60, 70, presque tous les petits ponts sont détruits. C'est pourquoi nous avons demandé si l'autorité de la SNCC pouvait nous aider avec les châssis de wagons avariés et voire même quelques rails pour nous permettre de bloquer la situation pour ne pas interrompre la circulation. Merci, vous avez un mot à ajouter? Le mot à ajouter, d'abord, c'est présenter les félicitations au DG parce que c'est la première fois que je le vois depuis sa nomination. Et je représente aussi des félicitations parce que je vois qu'il y a un plus d'amélioration, notamment.